haïtien. 120 dollars. Et si son famille, qui a plusieurs, yo ba yo, famille yo, 300 dollars américains. Après 2 mois de détention, yo mené yo, on ti classe plus près, frontière États-Unis. Ça veut dire, sur, disons, au Texas. Maintenant, zone s'arrête à Acuña. Yo accueilli par des militaires américains. Yo recevoir au nom centre de détention. Yo passé 8 jours na Acuña. Sans manger. Sans brosser bouchon. Sans baigner. Ak même la glace yo déchiré. Yo saisi tout ça que yo. Yo senti du. Comment côté à aller en va ma conso suspiante. Gena ou tellement pas qu'à résister, yo indisposé. Yo pas qu'à prendre ça de quoi yo. Après 8 jours de détention, yo transféré yo dans prison Texas. Yo enchaîné pied yo. Yo enchaîné main yo. C'est pas minute. Enchaîné. Comme des esclaves. Ils l'ont transféré aussi pas gagné à ces prisons pour mettre au côté mené yo, yo transféré dans l'avion Georgia ou bien transféré dans l'autre prison qui est aux États-Unis. Dans ce groupe de 64 réfugiés, ils ont passé 2 mois dans la prison Georgia. Ils ont un médecin 2 fois par jour et ils ont mangé, ils ont été bien traités yo, dans la prison Georgia. Après Georgia, ils ont libéré yo, furé les familles. Yo, famille yo vin chercher yo font ID pour yo et jodi a gen 62 ladan yo qui devant la justice yo la guerre aux États-Unis yo gen pareil papier pour faire TPS mais gen 2 l'autre que yo vont retourner dans 64 là qui est 62 parce que dans prison te mette yo y a le goumen et dans prison yo l'autre est dans prison yo d'après témoignage le marqué zéro tolérance. On va pour parler avec personne. On va pour garder chef yo tête ou fait pour tête. Yo bon manger dans prison. Si manger pas bon pour gon compte, yo ouvert pour ou voye numéro compte en ba famille ou famille qui va voye l'argent ba ou sous compte ça et puis sous estime ko pas ka manger dans prison manger ba ou utiliser l'argent ou acheter manger. Yo fait au sorti chaque matin pour aller faire sport. Yo ba yo manger à 4h du matin, yo ba yo manger à 1h p.m. à 5h p.m. Voyage ça a coûté environ yo chaque 10 000 dollars américains dans cop dépensé et dans cop volé. Je dis à vue importance, premier groupe ça qui t'est passé là. Si on refait circuit ça encore, comme la multiplier par 2, la multiplier par 3. Parce que c'est le seul circuit qui te baille possibilité pour nous ça rejoindre le papier. L'autre monde qui suit, yo pas suivre circuit, l'autre monde qui sont tout côté, yo, c'est yo qui en bas pont. Et c'est groupe monde ça qui arrive, qui fait qu'on est. Quand nous arrivons, tout le monde a dégagé pour arriver. Mais malheureusement, ils n'ont pas suivi Mbakwa, ils sont en bas pont. Et ce sont ces Haïtiens, ces réfugiés qui sont au nombre de 13 000 qui sont en bas pont. Et ils n'ont pas de papier. Parce que les gens qui sont en prison, ils n'ont pas pu retourner. Moun ki de tout campé au barré yo, y a voyé yo tourner dans tout pays, pas seul haïtien qui là. Des brésiliens là. OK? Des nicaraguayens là, des colombiens là, donc des cubains là. Donc, ça veut dire y a voyé tout moun ça retourner tout parce que yo pas suivre processus ça. Et c'est haïtien ça, ou frère action yo. Qui dans situation difficile et que depuis dimanche, yo commencé voyé yo tourner banou en Haïti. Et nous disait nous, il y a humilié nous. Mais histoire, 64 réfugiés haïtiens qui jouent la terre promise,
reste moun yo 9 000, 10 000 moun qui en bas pour yo 15 000 moun yo dit gen 8 000, 9 000 haïtiens yo même yo pas qui est arrivé parce qu'il y a cherché une vie meilleure. Mais nous autres, nous sommes des haïtiens à part entière. Nous avons des autorités avec nous qui l'a avec nous dans le pays. Nous dit nous en démocratie. Nous dit n'a fait payer. Nous dit faut nous l'autre l'état. Nous dit faut nous l'état qui prend responsabilité citoyenne qui a gardé pays à l'autre gens. Je dis à recevoir des responsables, des monde qui a réfléchi. Tout d'abord, nous allons commencer par recevoir le sénateur, l'un des sénateurs de l'Ouest, ou bien le sénateur de l'Ouest en fonction, mandat pour qu'on finit, c'est le sénateur Patrice Dumont. Nous prenons le bal 10 minutes pour l'exposer sous question ça. Comment sent-il? Comment n'amener Shell comme professeur? Qui ça l'ouait pour payer ça et comment on peut arriver à solutionner tout au moins problème ça pour permettre nous rejoindre dignité qui passait en papier et que nous prenons soufflette tout le temps, mais soufflette ça, son soufflette en plus, pour ce Dumont, bonsoir. Bonsoir, Olivier Paul-Charles, bonsoir tout haïtien, capitaine de Scoop FM partout à travers le monde. Bonsoir tout haïtien qui haïtien tout bon. Il y a plusieurs façons pour le monde aborder question ça, ou même ou aborder question de manière journalistique. Ou faire investigation, ou parler avec monde qui vivent drame, et sous son soutien là, parce que moi-même tout, moi prends information même pas qu'on est capable de faire de manière aussi profonde que vous-même, moi trouvé que c'est un travail remarquable pour faire, pas gagner accent aigu pour moun mettre. Ou mettre tout ça pour te mettre yo. Compliment bel travail. Moi t'a aimé faire haïtien yo connaît de ça qui passe sous planète là. Et depuis sous temps l'homme, avant l'homme de Carthage, la Prusse, peut a déplacé de nord au sud, de l'est à l'ouest, le phénomène de la migration qui a toujours existé. Donc, sous point ça, nous pas seul peuple qui plaidait marcher à chercher la vie. Je vais donner un seul gros exemple. Toute recherche historique qui fait, qui côté peuple amérindien sorti, tout tes côté nous y a, nous te connaît le Malien, le Zaragoa, nous connaît Anacaona, nous connaît donc tout chef indien, peuple qui côté sorti, tout le monde croit, c'est un de mer qui gagnait entre l'Asie et l'Amérique, là, le détroit de Bering, c'est par là qu'on partait jusqu'à ce que Plovin couvrit l'Amérique là. Et ensuite, qu'on y a Européen, Christophe Colomb, Vigne, même, je touillais tout ce qui gagnait en Haïti, par exemple, mais il n'est pas arrivé à touiller tout net. C'est ainsi que jusqu'à présent, aux États-Unis, gagner les Sioux, gagner les Séminoles, gagner les Apaches, nous faire les Zéros. Donc, nous payons exception. Égalité Rochelle, ce dit là tout à l'heure, gagner Brésilien, gagner Vénézuélien, gagner Dominicain, gagner ici de l'Obor, minimum de plus. Deuxièmement, nous pas toujours un peuple migrant. Nous commençons à marcher Kaïmoun en 1896 lorsque le gouvernement qui est déjà Simon Stamnan a fini et puis on vient tomber dans tout au nord et puis
Antoine Simon, et surtout pendant l'occupation américaine, nous pourrions commencer à aller à Cuba, à le couper comme. Et pas oublier tout le monde qui est arrivé dans ce second veto. Il était au moins, il était dans un professeur qui parlait du gouverneur de la Rosée. Principal personnage, roman, Jacques Roumer, c'est Manuel. Manuel, c'est Cuba, il sort. Il se coupe et c'est l'aile retournée, il joue un pays à Pablo, Katia, Kaili, Pacon. Il remet avec Anaïs, et puis il dit que mon Dieu entend, il pourrait aller chercher Gloire, nous comptons, il peut faire. Nous, le gouverneur de la Rosée. Et, Américains, par les statistiques, ils ont dit 200 000 Haïtiens qui ont le Cuba. Mais Cubains eux-mêmes dit, deux gros États, ils ont les provinces, deux gros États, Camagüey avec Oriente. Nos villes, Tocos, Santiago, Dos Palmas, Guantanamo, Holguín, et plus de 600 000 Haïtiens. Qui, de 1896 à 1931, a le vide du Cuba. Il y a le coupé quand il y a tout été. Qui était autour. Et il y a des Haïtiens qui a joué au football à Cuba. Ce sont Arlette, Antoine Tassi, qui a joué à Cuba. Haïtiens étaient connus, ils ont connu raconter ça. Haïtiens continuent manger pour au prince au cours des années 50. Et puis, il y a le bois cola, il y a le bois bien, il y a le bois whisky à l'avant. C'est après ça. De 1804 à 1874, c'est nous-mêmes qui avons dominé l'île là. Jusqu'en 1874, c'est Dominique qui vient là, qui est nous. Nous pas occupés, ils étaient fonds dans nous. Je veux toujours dire, occuper, mais c'est pas, nous pas marcher, prendre, nous venons occuper, nous venons occuper, nous venons occuper, nous venons. Donc, Dominicain, t'es venu pas au prince, t'es allé au cap, t'es allé à l'armée, parce que t'as cherché la vie. Après 1874, bagaille là, on t'y j'en baissé, et en 1952, Paul Magloire, signé premier contrat avec le gouvernement dominicain sous présidence Ignacio. Vous continuez Golgotha ça. Quatrième étape. De Pérou, vous prenez l'autre bus pour aller sous frontière Équateur. Vous payez encore 400 dollars américains par personne. Cinquième étape. 64 Haïtiens sont arrivés dans l'Équateur. Ils ont tant de nuit à veiller. Tout le monde tête baissée, couché dans la rage. Une sous l'autre. Ils ont pris un bus, ils ont mis au Cancou Sardine. Le bus a fait 48 heures sur route avec eux. Yo mené yo sous frontière Colombie. Et là, yo fait yo payer yo chaque 600 dollars américains. Si moun tankou grand moun. Route ça pas facile. Son parcours très dur. Là arrivé Colombie, bus ta déposé yo bon ou lambé. Pendant que Bolamé a gardé un fleuve qui liait deux espaces et puis il dit yo, ça c'est le canal du vent qu'il a. Dans ce sens, la seule façon pour sortir, pour accéder à l'autre étape là, c'est par mer ou qu'à passer. Et, n'est qu'à faire trafic, il est déjà là. Sous bateau, il y a Ptanyo. Ainsi, il y aura les Kwabi ont décidé, il y a chaque 120 dollars américains.
et ils ont fait 2 heures de temps sous la mer, dans petit bateau que nous les bois fouillés, ils ont traversé avec eux et ils ont arrivé sous frontière Panama. Walter a continué pérégrination 64 haïtiens. Les arrivés sous frontière Panama, ils ont touché la terre et là, gon guide, parce que c'est business à faire, guide là, tanyo. Ils ont payé guide là $200 par personne. Guide là commencé à faire route avec eux à pied. Après, 3 heures de démarche, guide là dit yo, moi fini, moi montrer nous route là. Ça n'a fait. Nous pas jamais tourner à droite. Toute route là dans la fenêtre, tout côté à gauche, viré à gauche. C'est route là ça. Guide là prend $200 par tête de bétail. Et c'est route ça, il prend chaque côté au viré, il y a un Y à gauche, il y a un autre Y à gauche. Et c'est route ça qui peut mener au non espace que il est premier camp des réfugiés au Panama. Mais faut me dire nous, internautes, auditeurs, téléspectateurs, pour arriver dans le camp premier réfugié, c'est là histoire pour être difficile. Marie Saint-Une. C'est un groupe monde. Ma femme Walter. Ok. C'est un groupe monde. Pour faire route ça, il y a pris 7 jours que a marché. Il a dormi dans la rage. Il a eu de l'eau. Il a mangé. Radio déchiré, yo déshydraté. Yo passé 7 jours, gen groupe moun ki pa ka marcher, ki passé 10. Gen un troisième groupe qui passé 12, nan 12 ayo, ou jwenn 80% moun gen tan mouri. Au mort, dirait le poète, où est ta victoire? Pendant 7, 10 ou 12 jours que a marché, que haïtien frère nous a marché dans la gloire. Il a traversé monde. Il a traversé forêt qui est dans pile bête sauvage. Ils sont, pour la plupart, disons, ils sont entre ciel et terre. Et vous t'attendez cri bête ou bien bruit vent qui a frappé dans le fer et bois. C'est une aventure ça. Pendant un monde, il y a monté, il y a regardé la lune, il y a regardé le soleil, la pluie mouillée. C'est pendant un bois, ils ont croisé avec des voleurs, lourdement armés. Mon premier groupe qui était entre 7 et 8 ans, gros âmes. Ils ont violé les femmes, soeurs nous et maman nous. Ils ont violé les garçons, frères nous et papa nous. Ils ont violé toutes les jeunes femmes qui ont joué. Qui étaient entre 8 ans et plus. Ils ont violé toutes devant toutes 64 personnes qui ont cherché la vie. Ils ont pris tout le corps sur eux. Ils ont pris tout manger sur eux. Il y a pile nan yo qui crié, garçon confort. Mais faut me dire nous, depuis l'ap sorti Chili, yo te kon histoire déjà.
femme et garçon te marché avec condom capote. Les ou barré ak nèg yo, yo di nèg yo men capote. Et gen pile nan yo qui pa vle mete capote. Et tu obligé faire le comme ça. Triste réalité direz-vous. Arrivé au premier camp des réfugiés au niveau de Panama, ils ont été accueillis par l'État ou des militaires panaméens. Après toute période de temps, ça, d'humiliation, de vol, de viol et de déshumanisation. Ne que ça, ils ont quitté le Panama. Premier camp, ils ont quitté le jury. Ben, saumon, sardine, pâte tomate, etc. Ils ont fait 22 jours dans le premier camp réfugié. De là, militaires ont accompagné son petit bateau, ce que nous les bois fouillés, pour mener dans le deuxième camp réfugié dans le Panama. Les arrivés, ils ont fait 3 jours dans le deuxième camp et ont transféré par terre un antibus qui passait 24 heures sur route là avant pour arriver dans le troisième camp réfugié. Toujours freiné, qui a passé misère comme ça parce qu'il a cherché la terre promise. Arrivé au troisième camp, il a payé $100 US par réfugié. Mais pas oublier, voler, ou te voler tout comme yo déjà. Pendant yo l'autre bois, yo cherchait monter sous deux mondes. Avec Guidio, yo passé au téléphone, yo relé moun la kayo, yo dit yo pa gen kòb, moun yo transféré kòb pou yo. Et lè chache kòb ça. Côté OEA, moun ka prendre pou yo a. Sous chaque $100, moun nan prend $25 américains. Ah. Vive papa de Salim. Lè rivé dans troisième camp, militaire panaméen yo yo conduit devant tuile avait dit barrage ou konwe ki fait yo et que considéré comme un barrage yo traversé tuile là au sautel et au tomber son route les arrivé sur route ça c'est un bus qui gagne des monde spécialisé dans voyage clandestin qui déjà là capitaine yo yo payé $50 par chauffeur pour chauffeur mener yo Costa Rica. Yo passé une semaine Costa Rica. Yo t'attend parce que Costa Rica a un papier certifié pour permettre de traverser la prochaine étape là. Yo t'attend, yo bail au papier et puis qu'on y a là papier papier ça, yo mené au sous frontière Honduras. Pour aller en Honduras, vous payez $200 américains. De Honduras, vous prenez un autre bus qui mène dans la frontière Guatemala. Mais pas oublier, vous avez chaque certificat dans la main. C'est l'histoire des 64 réfugiés haïtiens. À la frontière du Guatemala, vous payez un guide, encore un guide, qui conduit dans la frontière Mexique. Ils payent un frais de $70 et $80. D'après ça, ils ont expliqué à Scoop. Dans la frontière Mexique, ils payent sur chaque grand monde, petit monde, garçon, femme, ils payent $420 américains par personne pour déposer dans la capitale là qui c'est Mexico. Et il y a les machines privées. Tout le monde couché net à terre, plat à terre, dans la machine privée. Parce que nous avons organisé un voyage pour la police mexicaine. Pas où est le les arrivés dans la commune qui est le Papachula, ils ont passé 2 mois à obtenir documents dans le Papachula que le gouvernement mexicain a le bail. Yo pa paye un goud.
Par contre, ils étaient bien accueillis par nous, par une organisation qui est ACNUL. Ces organisations, ça, sont organisations.